and you can now proceed with your argument. Messieurs, je désirerais tout d'abord indiquer au tribunal que, étant donné qu'un certain temps a été dépensé avec les témoignages et les discussions, et que je désire ne pas dépasser l'horaire qui a été annoncé, je suis dans l'obligation de raccourcir d'une façon importante la présentation du dossier que je suis en train d'exposer au sujet de la propagande. Je demanderai donc au tribunal de bien vouloir excuser s'il y a quelque hésitation dans cet exposé, étant donné que je ne suivrai pas exactement mon dossier. J'ai indiqué hier la méthode que les Allemands employaient en ce qui concerne le droit de réunion ou d'association, qui était supprimé ou, quand il était maintenu, qui était exploité à leur avantage. Je voudrais maintenant donner une indication sur le livre et sur l'édition. Les autorités allemandes ont d'abord pris une ordonnance du 30 août 1940 publié au journal officiel du 16 septembre pour interdire certains livres de classe en France. Nous avons déjà vu qu'ils avaient procédé de la même manière en Belgique. Une autre initiative des Allemands a été d'interdire un certain nombre de livres qui leur déplaisaient. Je dépose à ce sujet le document 1103, qui est la liste Otto. Cette liste, qui a été publiée en septembre 1940, est une liste de 1074 volumes qui étaient interdits par les Allemands. Naturellement, je ne la lirai pas au tribunal. Elle figure dans le livre de documents sous le numéro 1103, comme je viens de le dire. Une deuxième liste Otto, plus longue que la première, a été déposée ensuite, a été publiée ensuite, le 8 juillet 1942, et je la dépose sous le numéro 1104. La conclusion de ce deuxième document, qui est la dernière page dans mon livre de documents, indique bien à quel principe les autorités allemandes se référaient. Je lis quelques lignes. En principe, toutes les traductions de l'anglais, excepté les ouvrages des classiques anglais, sont retirées de la vente. Et plus loin, tous les livres d'auteurs juifs, ainsi que des livres auxquels des juifs ont collaboré, sont à retirer de la vente, à l'exception d'ouvrages d'un contenu scientifique au sujet desquels des mesures particulières
sont réservés. Mais dès à présent, des biographies, même rédigées par des Français ariens, consacrées à des Juifs, comme par exemple les biographies relatives au musicien juif Offenbach, Meyerbeer, Darius Milhaud, etc., sont à retirer de la vente. Cette manière de procéder a peut-être paru au début assez anodine, puisqu'il ne s'agissait que de 1200 volumes environ. Mais on voit comme le principe même est important. Et d'autre part, par ce procédé, les autorités allemandes atteignaient un résultat pratique qu'elles recherchaient et qui était essentiellement, en dehors d'autres interdictions, de faire complètement disparaître tous les ouvrages sérieux et objectifs permettant d'étudier les doctrines allemandes, la politique de l'Allemagne et la philosophie du nazisme. En dehors de l'interdiction d'ouvrages déjà existants, les Allemands ont naturellement institué une censure. Ils ont d'abord procédé à cet égard d'une façon assez déguisée, en passant une sorte d'accord avec les éditeurs, où ils chargeaient ces éditeurs eux-mêmes de signaler quels étaient leurs livres qui leur paraissaient sujets à la censure. Je dépose cette convention sur la censure comme document 1105. Et je désire faire, sans la lire, une seule observation qui est très révélatrice de la constante méthode allemande. Dans la brochure imprimée de cette convention, déposée en original, figure, en dehors de la convention elle-même, un avertissement rédigé dans des termes qui ne correspondent pas au sentiment français. Cet avertissement n'était pas rédigé par les éditeurs, auxquels la convention elle-même avait été imposée. Mais cet avertissement rédigé par les Allemands a été publié dans la même brochure qui porte l'indication Syndicat national des éditeurs, de sorte que l'on pouvait croire que les éditeurs français acceptaient les phrases qui étaient écrites dans ce préambule. Il suffit d'ailleurs pour une personne attentive de constater que cette brochure ne porte pas d'indication d'imprimeur pour s'apercevoir que c'est une publication allemande et non pas une publication des éditeurs français, car seuls les Allemands étaient dispensés de la règle légale française de la mention du nom de l'imprimeur. Les Allemands ne s'en sont pas tenus, les Allemands ne s'en sont pas tenus, les Allemands ne s'en sont pas tenus sur, apparemment un peu libéral, et plus tard une ordonnance du 27 avril 1942, publiée au journal officiel du 13 mai, ordonnance intitulée « Concernant l'utilisation rationnelle du papier d'imprimerie »,
Cette ordonnance a décidé, sous prétexte de l'utilisation rationnelle du papier, publication sans exception, devrait porter un numéro d'autorisation allemand. J'indique d'ailleurs que pour étouffer l'édition en France, les Allemands disposaient d'une arme très efficace, qui était leur maîtrise sur le papier. Je dépose comme document 1106 l'affidavit de M. Marcel Rive, directeur du commerce intérieur au ministère de la production industrielle. Je ne lirai pas ce document pour abréger les débats. J'indique en résumé qu'il démontre que toute la distribution du papier disponible était placée sous l'autorité des Allemands et que les Allemands ont réduit les contingents de papier alloués à l'édition dans une proportion qui est beaucoup plus considérable que la proportion générale de diminution de tous les contingents de papier par rapport à la situation avant la guerre. Je dois ajouter que sur ces contingents de papier très réduits dont disposait l'édition française, les Allemands prélevaient encore une certaine partie pour leurs propres éditions de propagande. Ainsi donc, pour leur propagande, non seulement ils utilisaient le papier qu'ils avaient en Allemagne, mais ils prenaient une partie des faibles quantités de papier qu'ils laissaient à l'édition française. Je désirerais lire simplement sur ce sujet quelques lignes d'un document qui constitue l'annexe 2 du document 1106 que je viens de déposer. Je lis simplement quelques lignes. Dans cette annexe 2, qui est une lettre du commandement militaire allemand du 28 juin 1943 au ministère de l'économie nationale. Citation. Notamment au cours du mois de mars, que vous mentionnez spécialement, il n'a pu être attribué aux éditeurs aucune quantité sur la production courante, étant donné que l'on avait besoin de celle-ci pour les buts de propagande importants. Fin de la citation. L'autre face de cette activité allemande dans l'édition était en effet une propagande intensive par toutes sortes de brochures, de publications sous toutes formes. Cette littérature de propagande est extrêmement fastidieuse. Je désirerais mentionner un seul détail qui est indicatif de la permanente méthode de camouflage des nazis. J'ai ici, et je les déposerai naturellement sans les lire, sous le numéro
1106 bis, j'ai ici quelques brochures de propagande allemande, dont les premières font partie d'une collection intitulée « L'Angleterre sans masque ». Les premiers numéros de cette collection, pris au hasard, indiquent à la page de garde « Office d'information allemand ». L'Angleterre sans masque, numéro, etc. Il n'y a donc là aucune dissimulation. On sait bien à quoi on a affaire. Mais, par une rencontre curieuse, le numéro 11 de la même collection ne porte plus la mention « Office d'information allemand ». Et nous voyons à la place de cette mention « Maison internationale d'édition Bruxelles ». Sur ce point cependant, nous sommes encore prévenus de l'origine, car l'auteur s'appelle Reinhard Wolf, et c'est un nom allemand. Mais voici alors, à titre de dernier exemple, une brochure intitulée « Le pacte contre l'Europe » et qui est publiée aussi par la Maison internationale d'édition Bruxelles. Nous savons, d'après les autres exemples, que cette maison n'est qu'une firme de l'office allemand. Mais les personnes qui ne sont pas renseignées peuvent croire que c'est une littérature française ou belge, car ici le nom de l'auteur est Jean Dubreuil. Je n'insisterai pas davantage sur l'édition, et je désirerais dire quelques mots de la presse. Il est notoire que tous les journaux des pays occupés étaient sous le contrôle des Allemands et que la plupart avaient été créés à l'instigation des Allemands par des personnes qui étaient à leur solde. Comme ces faits sont très connus, je m'abstiendrai de fournir des documents sur ce point. Et je me limiterai aux indications suivantes. Premièrement, mesures restrictives. La censure. Bien que tous ces journaux soient pratiquement leurs journaux, les nazis les soumettaient cependant à une censure très rigoureuse. Je déposerai en preuve sur ce point le document 1108, qui est le compte-rendu d'une conférence de presse du 8 janvier 1943, au cours de laquelle sont précisées les nouvelles consignes, le nouveau régime de la censure. J'indique au tribunal que ce document et quelques autres du même genre ont été retrouvés dans les archives de l'Office français d'information qui était sous le contrôle allemand, et ils sont déposés soit à la Bibliothèque nationale à Paris, soit à la Bibliothèque de documentation du musée de la guerre, et ces documents ont été prélevés
par nous selon procès-verbal, soit sous forme d'originaux, soit comme photocopie conforme de ces documents de la collection française. Je désire simplement signaler, avec ce document 1108, qu'il s'agit pour les Allemands d'instituer un nouveau régime plus libéral quant à la censure. Si on lit le document, on voit cependant qu'à peu près toutes les nouvelles et articles sont soumis à la censure, à l'exception des feuilletons, des critiques de films et de théâtre, des nouvelles scientifiques ou universitaires, des programmes de radiophonie et d'un certain nombre de sujets tout à fait accessoires. Le deuxième aspect de l'intervention allemande, l'aspect positif, était formé par l'orientation de la presse. Et cette orientation était aménagée grâce aux conférences de presse dont je viens de dire un mot. Je produirai au tribunal, sans les lire, un certain nombre de documents numérotés de 1109 à 1118. Je produis d'ailleurs ces documents comme preuve, non pas de leur contenu, qui est la répétition fastidieuse des thèmes allemands, mais simplement comme preuve de leur existence, c'est-à-dire de l'orientation continue de la presse. J'indique cependant comment les choses se passaient. La conférence de presse était tenue, soit à la Propaganda Staffel, avenue des Champs-Élysées, soit à l'ambassade d'Allemagne. Les représentants des journaux étaient réunis là par les fonctionnaires nazis compétents qui leur donnaient des directives. À la suite de la conférence, l'extrait de ces directives était établi sous la forme d'une dépêche de l'Office français d'information. Le tribunal sait que les agences envoient aux journaux des dépêches qui servent de base à l'information de ceux-ci. Une fois que cette dépêche était établie par l'Office, elle était soumise pour contrôle au service allemand qui apposait sur la dépêche son cachet. Et à ce moment-là, elle était diffusée aux journaux. J'ai indiqué que je ne ferai pas de lecture sur ces conférences de presse et sur ces procès-verbaux, sur ces notes de l'agence qui forment les documents 1109 à 1120. Je répète, 1109 à 1120. Je désirerais seulement faire lecture d'un document très court que je dépose comme document 1121 et qui est le compte-rendu d'une conférence de presse du 16 avril 1943 à la Propaganda Abteilung. Citation 1121. En fin de conférence, le commentateur allemand a déclaré
qu'à l'occasion de l'anniversaire du Führer, les journaux paraîtront le mardi 20 avril sur 4 pages au lieu de 2, et le mercredi 21 avril sur 2 pages au lieu de 4. Il a demandé aux journalistes présents de souligner ce qu'il y avait d'européen dans la personnalité politique du Führer et de traiter largement les rapports franco-allemands. Il convient toutefois d'agir en l'occurrence avec beaucoup de tact et de réserve afin de ne pas donner aux journaux une allure qui, n'étant plus française, risquerait de heurter l'opinion publique. Fin de la citation. Je n'oublie pas que nous sommes ici dans un procès criminel et qu'il faut souligner ce qui, dans les faits quelquefois très variés, que nous sommes obligés de présenter, ce qui, dans ces faits, caractérise l'intention et la réalisation d'un acte condamné par le droit pénal. À ce point de vue, je cite et je produis le document 1124, qui est une tentative de favoriser par la presse et par la propagande le recrutement militaire de Français dans l'armée ennemie, crime qui est prévu par l'article 75 du Code pénal français, et je rappelle qu'en doctrine juridique, de tels crimes peuvent être poursuivis même contre des ressortissants ennemis. Je lis ce document qui est court. À la fin de la conférence militaire, le docteur Eich a signalé que l'OFI diffuserait cet après-midi un article consacré à la nécessité de la participation de marins français dans la Kriegsmarine. Il prie les journaux d'ajouter à ce texte des commentaires en développant, par exemple, le thème suivant: être marin, c'est acquérir un métier. L'article diffusé par l'OFI devra être publié demain, jour à 4 pages, en première page, ou tout au moins amorcé à cette première page. Fin de la citation. Enfin, je dois signaler qu'en dehors des conférences de presse proprement dites, il existait des conférences dites conférences de culture, où les autorités allemandes donnaient leurs ordres sur tous les sujets. Je désirerais lire quelques extraits très courts d'une de ces conférences de culture afin de caractériser l'oppression générale qui résultait de ces interventions des Allemands dans tous les domaines sans aucune exception. Je dépose ces documents comme numéro 1125 et 1126. Et je lis deux phrases à la page 1 du document 1125, qui est un compte-rendu de la conférence du 22 avril. Citation. Des reproductions
de tableaux de Picasso ont été récemment faites malgré les directives contraires qui avaient été données précédemment à ce sujet. Théâtre. Certains organes de presse ont cru devoir consacrer à l'opérette Don Philippe des articles où l'éloge excessif s'est trouvé être démenti par l'accueil fait à cet ouvrage par le grand public. Il y a là un manque de mesure. Je lis plus loin, au haut de la page 2. La presse a fait une réclame manifestement exagérée au concert de jazz, particulièrement à celui de Fred Jumbo. Il y a là un manque de doigté, d'autant plus regrettable qu'une place minime a été généralement réservée au concert de valeur. Et enfin, à la fin de ce document, il y a une note générale qui est intéressante. La nationalité des personnalités scientifiques, artistiques et autres, citées dans les articles de presse, devra être indiquée comme étant celle du Grand Reich allemand pour tous les pays où ces personnalités seraient nées et qui ont été rattachées au Grand Reich allemand ou qui y ont été incorporées. Nous voyons ainsi que même dans les sujets qui nous paraîtraient les plus fantaisistes, on peut saisir les preuves de la volonté de germanisation et de la volonté criminelle de dépouiller les hommes de la nationalité à laquelle ils ont droit. Je vais maintenant dire quelques mots au sujet du cinéma. On peut rendre cette justice aux Allemands qu'ils n'ont jamais méconnu l'importance exceptionnelle du cinéma en tant que moyen de propagande. En France, ils ont consacré à ce sujet 7 ordonnances ou décrets. Il faut remarquer qu'en premier lieu, les Allemands ont interdit la représentation des films qui ne leur plaisaient pas. Monsieur Faure, don't you think that evidence that the Germans used the cinema as a method of propaganda is really somewhat cumulative? You've shown already that they forbade a great number of books which they considered hostile to their ideas, that they controlled the press, and isn't it almost cumulative in a matter of detail that they also controlled the cinema? Unless there is evidence on behalf of the defendants contradicting the evidence which you have given, I think the tribunal would be satisfied that the Germans did adopt all these methods of propaganda. L'impression que produit un dossier au moment où on le présente conduit en effet à constater qu'il existe quelquefois des arguments qui se cumulent alors que dans le travail de préparation, ceci n'était pas apparu
aussi clairement. Je ne parlerai donc pas de ce chapitre concernant le cinéma. Je désire simplement indiquer ceci au tribunal. Nous avons pensé que sur ces questions de propagande, que nous exposons d'une façon abstraite, il serait peut-être bon de rappeler d'une façon concrète quelques-unes des figures de la propagande allemande. Et à cet effet, nous nous sommes proposés, avec la permission du tribunal, de lui présenter tout à l'heure, d'une façon très courte, la projection de quelques-uns des thèmes de la propagande allemande. Je désire indiquer que ces thèmes sont empruntés à des affiches que nous avons retrouvées, mais que d'autre part, nous avions l'intention de présenter deux images d'une minute chacune qui sont empruntées à un film de propagande allemande qui a été réalisé en France, d'ailleurs par un Français, mais sur l'instigation et avec l'appui financier des services allemands. Et étant donné que nous devons, avec la permission du tribunal, lui présenter tout à l'heure cette image, il me paraît indispensable comme document le seul numéro 1141, car ce document, qui est l'interrogatoire du producteur du film, établit la preuve que ce film a été fait sur l'ordre des Allemands et qu'il a été payé par eux. Je dépose donc ce document 1141 qui est nécessaire en raison de la présentation que nous devons faire tout à l'heure. Étant donné qu'il m'apparaît en effet que la démonstration de l'accusation est assez avancée pour ce qui concerne les différents moyens de propagande, j'appliquerai le même raisonnement à la partie qui avait été prévue pour la radio. Je désirerais qui dépasse propagande 46. Je dois indiquer tout d'abord que en matière de radio, les Allemands rencontraient évidemment un obstacle qu'ils n'avaient pas trouvé au même degré dans les autres sujets. Et cet obstacle était les diffusions de la radiophonie libre, que, comme le disait hier le témoin belge, les habitants des pays occupés suivait avec tant imagina alors de pénaliser les personnes qui écoutaient cette radio. Dans le document que je vais citer, le commandement militaire va jusqu'à demander d'une façon très pressante aux autorités françaises d'instituer des peines terribles, puisqu'il est même prévu la peine de mort
pour les personnes qui ont répété des nouvelles de la radio étrangère. Je crois qu'il est donc intéressant que je dépose en preuve ce document qui émane du commandement militaire, qui est signé Stulpnagel, et qui démontre les intentions criminelles de l'état-major allemand. Je désirerais lire ce document à partir de la page 1146. Je lis au milieu du deuxième paragraphe. Au début du troisième paragraphe. La loi française du 28 octobre 1941 ne prévoit pas des sanctions spéciales pour la diffusion de nouvelles de postes étrangers susceptibles de troubler l'ordre et la sûreté publique, quoique ce délit constitue un danger particulièrement grave. Il est indispensable que la diffusion de telles nouvelles soit punie de peines de travaux forcés et même de peines de mort dans les cas particulièrement graves, sans qu'il soit tenu compte du fait que la personne qui diffuse de telles nouvelles les ait entendues par une écoute directe ou d'une autre façon. La possibilité actuelle de rendre légalement ce délit possible, passible, de plus lourdes sanctions en recourant aux tribunaux d'État ne suffit pas pour que la population s'abstienne d'écouter la radio anglaise et de répandre les nouvelles entendues. Étant donné que la loi qui règle les attributions des tribunaux d'État ne mentionne pas le délit d'écoute des postes étrangers et qu'ainsi la connexion entre le fait d'écouter et répandre ces nouvelles et les sanctions de travaux forcés et de peine de mort n'a pas été établie. La population n'a donc pu encore se rendre compte qu'un tel délit était susceptible d'entraîner les travaux forcés et la mort. En conséquence, je demande que dans un délai qui expirera le 3 janvier 1942, un projet de loi modifiant la loi du 28 octobre 1941 me soit soumis. J'ajoute en annexe le texte allemand qui règle les mesures d'exception concernant la radiodiffusion et qui vous fera connaître les détails de cette réglementation. Je déposerai maintenant un document qui portera le numéro 1147. Je crois que ce document peut intéresser le tribunal. Il présente un caractère tout à fait différent de celui des documents que j'ai produits précédemment. Ce document comporte d'abord une lettre de Berlin du 27 octobre 1941, dont l'objet est accord relatif à la collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Je lis cette lettre d'envoi qui est très courte et qui authentifie notre document. Avec l'autorisation du ministre,
Nous vous envoyons ci inclus pour information. Comme affaire secrète du Reich. Copie de l'accord relatif à la collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, ainsi que la copie de l'accord d'exécution. On peut parler de cet accord, mais non des particularités qu'il contient. Le document qui est joint est le texte entier, que je ne lirai point, de l'accord passé entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Reich pour l'instruction du peuple et la propagande relativement à une collaboration entre leurs services respectifs. Je crois que ce document présente un intérêt et c'est pourquoi je le dépose. Je signalerai simplement au tribunal qu'il démontre à la fois toute l'étendue et tout le caractère d'organisation de l'emprise générale que les Allemands voulaient s'assurer sur l'esprit des personnes habitant des pays occupés ou même des pays étrangers. Le chapitre 1 de ce document s'intitule « Collaboration par branche ». La lettre A concerne le cinéma, le théâtre, la musique et les expositions. La lettre B concerne les publications. Je crois qu'il est tout de même intéressant que je lise les quelques premières lignes de cette lettre B, car comme j'ai exposé la propagande du point de vue des personnes qui la recevaient, il est intéressant de se rendre compte de la question du point de vue des personnes qui émettaient cette propagande. Et d'autre part, je crois qu'il ne faut pas perdre l'occasion de constater l'extraordinaire variété et l'habileté des procédés allemands. Cette citation est très courte. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Reich pour l'information et la propagande entretiennent en commun, à parts égales, une société de couverture dénommée Mundus AG, au sein de laquelle seront groupées les maisons d'édition situées en Allemagne et à l'étranger et qui sont contrôlées par ces deux ministères. Ces maisons serviront à la publication d'ouvrages littéraires destinés à l'étranger et à leur diffusion à l'étranger. Feront aussi partie de cette société toutes les fondations ou participations futures des deux ministères dans ce domaine. Fin de la citation. À la page 3, au quatrième paragraphe, je désirerais lire également une phrase. Les deux ministères prennent part réciproquement à l'établissement du plan des publications de propagande éditées à l'intérieur par eux ou sur leur initiative, mais destinées à l'étranger. Et enfin, à la page 4, je lirai une phrase à l'avant-dernier paragraphe. Citation. Dans le but de grouper en un seul organisme les postes émetteurs étrangers
appartenant ouvertement à des Allemands. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère pour l'information et la propagande exploiteront en commun, avec participation pour chacun d'eux, de 50%, la société de couverture Interradio AG, dont le siège est à Berlin. Le tribunal a retenu le mot appartenant ouvertement à des Allemands. L'indication qui en résulte sera complétée par une dernière citation d'une phrase à la page 5, début du second paragraphe. Pour des raisons politiques, l'action officieuse exercée secrètement sur les postes émetteurs étrangers ne devra pas avoir de rapport avec la société de couverture avouée. Je désirerais, pour conclure ce dossier sur la propagande, déposer le document 1148, qui est un message circulaire adressé à tous les bureaux allemands de propagande. Je pense qu'une citation très courte de ce document sera intéressante pour définir l'utilisation très générale de la propagande comme moyen de l'une des entreprises les plus préméditées et les plus graves du nazisme, qui est l'extermination de la nationalité et de l'existence d'un pays. Il s'agit en l'espèce de la culture et de la tradition tchèque. Je cite à partir du paragraphe 4. De manière positive, l'appartenance des Tchèques à l'espace culturel allemand-européen doit toujours être mis en évidence. Il y a lieu d'insister en toute occasion sur la forte influence que la culture allemande a exercée sur la culture tchèque, même sur la dépendance où celle-ci se trouvait par rapport à celle-là, et notamment aussi sur les réalisations culturelles allemandes en Bohême-Moravie et leur effet sur l'activité culturelle des Tchèques. Il y a lieu de toujours tenir compte du fait que les Tchèques parlent d'une langue slave, mais ayant vécu pendant des siècles avec des peuples allemands d'une culture supérieure, dans des empires à prédominance allemande, appartiennent vraiment au milieu culturel allemand et n'ont presque rien de commun avec d'autres peuples de langue slave. Au point de vue historique, il y a toujours lieu de faire ressortir les époques au cours desquelles et les personnalités avec lesquelles les Tchèques cherchèrent et trouvèrent le contact avec la culture allemande. Wenzel le Saint, époque de Charles IV, de Ferdinand Ier, de Rudolf II, baroque de Bohême, etc. Je dépose enfin, sans faire de lecture, le document 1149. J'ai tenu à mettre ce document dans mon registre de documents, car il constitue
un rapport de l'année sur l'activité de la propagande dans un des pays occupés, qui est en fait la Norvège. J'ai longuement parlé de ce pays, et c'est pourquoi je ne désire pas citer maintenant le texte de ce document, mais mentionner que la propagande allemande faisait l'objet de rapports extrêmement réguliers dans lesquels sont traités tous les sujets, presse, cinéma, TSF, culture, théâtre, école, éducation. Cette propagande allemande est donc, comme je l'ai indiqué au début, quelque chose de beaucoup plus étendu que ce que nous comprenions, nous, auparavant, dans ce mot. Aucun domaine de notre vie ne lui est étranger. Rien de ce qui nous est personnel ne lui est respectable. Elle tente à devenir une véritable colonie pénitentiaire pour l'esprit, où l'idée même de s'évader serait une idée captive. S'il plaît au tribunal, pourrais-je lui suggérer que la suspension ait lieu maintenant, afin que, à la suite de cet exposé qui est maintenant terminé, on lui présente ces quelques projections qui n'ont autre but que de restituer un des désagréments les plus constants et les plus odieux de la vie que nous avons menée dans les pays occupés, lorsque nous étions obligés de voir tout le temps, en nous promenant par exemple, les images affreuses et stupides de la propagande allemande. Tribunal will adjourn for 15 minutes.